C'est l'heure de Pamela maintenant. Alors, on va écouter le répondeur de Pamela, on l'écoutera la semaine prochaine, promis. Le répondeur de Pamela, semaine pro, mais alors là, parce qu'on a un nombre de numéros à appeler, c'est de la folie. Alors, c'est parti pour Pamela. Bonsoir Pamela, bonsoir. Bonsoir encore une fois, je suis un peu triste. Romano a perdu et l'autre con a gagné. C'est ouais, ouais, ma belle. Faut pas être triste. Mais si, parce que c'est un quelle belle victoire et ça fait plaisir. Je peux pas le blairer. Ah bah, oh, c'est pas grave. Et en plus de ça, il est très laid. Mais non, il est pas laid. Si, il est très laid. Mais non, il est pas laid, regarde. Pourquoi t'es méchante comme ça ce soir? Méchante, parce que Romano il a perdu, il est triste. Ah là là là. C'est la tristesse. Tu me dégoûtes. Alors, tiens, en parlant de dégoût, voici les photos qu'on a reçues ce soir pour Pamela. Les photos, alors je vous montre. Il n'y a pas une tête, il n'y a que des bites. Ah si, il y a des mecs qui ont envoyé leur tête quand même. Alors je commence par Eddy. Décrivons Eddy, comment est-il physiquement? Ignoble. Il est il a un t-shirt et il a une bite en dessous. Et on voit pas la tête. Et là t'es gentil là. Et la bite est tordue. Ouais, et puis elle est poilue de partout. Ah ouais, non, c'est dégueulasse. Elle est très très poilue. Très poilue la bite, regarde. Elle est tordue. Ah ouais. Et elle est pas immense, c'est vrai. Et elle est tordue. Ouais. Et en plus je me demande s'il n'y a pas une petite goutte sur le côté. Ah. Bien, non, c'est un morceau. Ah, il y a un de fromage. Bien vu. Il a un petit morceau de fromage sur le sexe. Wow. Et il t'envoie ça. Il t'envoie ça pour te séduire. Enfin, pour l'apéritif. Mmh. Ouais, exactement. Une autre photo d'un des pervers, enfin pervers, d'un des gars qu'on a dragué ce soir. On va voir s'ils sont pervers, des pervers. Peut-on le décrire? Bah, c'est une bite en gros plan. Il s'appelle Salut 1. Bon, elle est plutôt équilibrée celle-ci, non? Une bite équilibrée pour la Marie. Si on me demande, tiens, comment ta bite, elle est équilibrée. Non, parce qu'on en a vu tellement en pyramide ou l'inverse. Moi, ça me dégoûte assez. Ça, alors, c'est normal. Après, on a un mec qui sur Tinder, on l'a chopé, celui-ci, là. Ouais. Il s'appelle Pourvu que ça dure. Et lui, il envoie un numéro, il envoie sa photo en direct de l'Open Space. Oh, en train de travailler. C'est ça, en train de bosser, ouais. Il est en train de bosser. Donc Un gilet derrière, là. Avec un gilet de sécurité. Ouais, c'est ça, de sécu. Il fait sérieux, hein. Ouais. Pourvu que ça dure, il s'appelle. Il a un bon d'aile, lui. Après, on en a. Ouais, lui, il est pas trop. Il est normal. C'est un Renoir normal. Derrière, ah bah tiens, lui aussi, il est normal d'ailleurs. Lui, il est blond, oui. Il s'appelle Plan 5. Lui, il est pas mal, lui. Et il a une capuche. Et Marie, comment tu c'est sa bite, putain, il ressemble à un tripé là. Non, mais lui, il a une bonne tête de foncé par contre. Ouais, puis regarde sa teub derrière. Alors, juste après, il envoie sa teub. Voilà. Hop là. Donc, on a la tête d'un côté. Ah, oh, mais la teub, il y a un problème là. Ah, oui, elle est énorme. Elle est hydratée, mais t'as vu la veine là qui est chelou là. Bah, il est veineux, voilà. Non, mais on dirait un fossile, on dirait. Non, mais. Ouais, non, mais c'est vrai, t'as raison. Il y a la grosse bite en tout cas. Après, on a qui? On a. Oh, beau gosse barbu, moustachu plus précis. Oh, la même moustache que Guigui, une moustache mexicaine. Jason, avec sa moustache. La sienne est quand même plus costaud. Oh, ça va, il y a une bonne mexicaine. Tête. Et juste derrière. Tête de fumeur de moi, je lui quand même. On a Mourad qui a. Alors lui, il a vraiment un mini. Ah, lui, il est très classe, lui. Mini sexe. Regardez le sexe de Mourad. Avec le beat sur le côté. Non, mais puis il est allongé comme un baleineau. Le mec, il veut faire une pose sexy, genre avec ses grosses couilles qui font. Pour vous expliquer, le mec, il est sur le côté. Il a un ventre poilu, mais je vous raconte même pas. Un énorme ventre. Et alors, on peut avoir un ventre poilu, Marie? Non, mais d'accord, mais tu prends pas en photo comme ça. Avec la bite qui tombe. Un peu poilu, toi. J'ai un peu de poilu. Ah, il a un peu poilu. Rien à voir. Si t'écoutes. Mais rien à voir. Le mec, il est poilu. Mais là, il est avachi comme une baleine. Donc, voici Mourad. Ah, putain, j'avais pas vu sa tête. C'est Mourad. Oh, il est posé, putain. Posé. Ah, ça, il est même vautré, là. Comme une sirène. Putain. Alors, ou un ton. Pamela, lequel te ferait plaisir? J'hésite. Ah, bah, tu m'étonnes. C'est vous avec ceux-là. Alors. Vous avec ceux-là. Bah, attends, ils sont pas mal, quand même. Ah, oui. Non, non, on en a d'autres, mais il n'y a pas les photos. Ah, oui, il y en a sans photos. Bon, alors, on a After. After, c'est. Oui, non, il y a plein d'autres. C'est Plan 5 avec sa bite séchée, là. C'est la capuche là. Ouais, c'est lui. Ah oui. La grosse bite. Ouais, Plan 5. Ouais, ça va. Ça va et toi? Ouais. Bon, tu fais quoi là? Non, je suis posé là. C'est moi. Tu peux mieux parler dans ton téléphone, je t'entends mal. Ouais, je suis chez moi là, je suis posé là. Ah, t'as un poil? Ouais, non. Ok, je suis pas posé là. Il faut pas mieux parler dans le téléphone, sinon on va pas y arriver. Peut-être enlève ta capuche. Je suis en jogging là. Il faut enlever ta capuche, je ne comprends pas ce que tu dis. T'es où là? Bah, je suis chez moi là, je suis tranquille, en nuisette, et j'attendais des hommes, des vrais. Ah ouais? J'ai envie de me caresser. Ah, je t'entends bien là. Ah ok, d'accord. Ah, oh, t'as envie de te caresser toi? Ouais, pourquoi pas. Ah, vas-y. Okay. Tu te caresses là? Ouais. Oh, t'as une petite vidéo à m'envoyer là? Ah non, j'ai pas de vidéo, non. Ça c'est payant. Hein? Ouais, ouais. Éventuellement, je te file un code promo pour mon compte OnlyFans. C'est quoi ça, ton code promo? Il faut enlever ta capuche.
quoi ton code promo? C'est Mucus 10. Ah, ok. Parce que je muque. Bah, vas-y, je te rappelle. Bah, vas-y. Mais tu pourras pas me rappeler, t'as pas mon numéro. Ouais, non, ah, bah, tu vois, t'es comme un con là. Faut lever de sa capuche, hein, vraiment. Hein. C'est sûr, c'est vraiment problématique. T'entends mal en plus. Non, mais t'entends mal, enlève ta capuche. Qu'est-ce que tu veux, t'as foutu à l'envers. Enlève-la de ta bouche. Vas-y, laisse tomber. Parle bien déjà, toi. Il fout. Il s'est embrouillé, Pamela. Elle est partie. Mauvais coup, va. Il est parti. Ah, le mec, on n'entend rien de ce qu'il dit. Faut enlever la capuche. Ah, c'est clair. J'ai rien compris ce qu'il a dit. Vas-y, on la bouche. Mucus 10, c'est le code promo. Je l'ai noté. Vas-y, on en fait un autre. Un autre. T'as beaucoup fait rire. T'as beaucoup fait rire. Cribbler, mais également Léo. Mais aussi Julo Bédromano. Mais aussi Anastasia. Mort de rire pour Gali aussi. Ah, t'as cette capuche, mais c'est hallucinant. Mais comment tu peux parler comme ça dans le téléphone? Allô? Allô, After? Ah, c'est pareil, ah, il est parti, After. La 7. Alors, un autre, la 7, Guigui. Ouais. Comment il s'appelle, la 7? Alors, a mis des numéros, pervers. Le 7, c'est pour que ça dure. Il n'est pas disponible. Ah. Fais pas lui. Pourvu que ça dure. Ah, c'est le mec dans son open space. Ouais. Ouais. Allô? Oui. Ouais, comment tu vas? Ça va et toi? Nickel. Je savais que t'appelais en masque. Bah ouais, parce que j'aime pas trop. Tu peux enlever le truc derrière parce que c'est chiant. C'est quoi qu'on entend derrière? Un ventilateur. Non, il y a quelqu'un qui parle, parce que s'il y a quelqu'un dans le ventilateur, il y a un problème. Ah non, ah c'est la CD. Ah bah oui, ah bah cela. Oh. Attends, deux secondes. Ah, vas-y. Ah, vas-y, mute. Ah, oh. Oh, j'ai la chatte en feu. Ouais, comment ça se fait? Ah, si je t'attendais. Mais je t'ai fait défoncer. Ah ouais, mais il faut baisser la télé, sinon tu me défonceras pas. Non, non, non. Mais de toute façon, je te défoncerai pas puisque c'est qui hôtel. Ouais, mais tu peux me défoncer virtuellement déjà. C'est que t'es pas un con, toi. Oh. Allô? Oui. Tu ferais quoi si j'étais à côté de toi? Je te couvrirais la chatte. Oh, t'es pas tout seul? Si, je suis tout seul. Ah, parce que je croyais qu'il y avait ta femme à côté. T'es marié? Ah non. T'as une femme? Non. Non, oui. Elle est où? Elle n'est pas là. Ah, tant mieux, on va être tranquille alors. Ah, oh, j'ai envie de me faire bouffer la chatte très fort. Oh putain, je me sens plus. Ah, t'as la queue en main, là? Ouais, j'ai la queue en main. Elle est bien raide. Je me touche les couilles aussi. Oh, vas-y. N'hésite pas, tu te mets des doigts dans le cul. T'aimes bien les doigts dans le cul, toi? Oh, vas-y, ouais, putain, j'aime ça. Oh, j'ai un putain de cochon. Oh, vas-y, mets-toi un petit doigt dans le cul, alors. Oh, ça pend, là. Oh. Ah, putain, je vais te baisser le trou du cul. Ah oh, ouais, baisse-toi bien le trou de balle. Oh, putain, j'aime ça, putain. Allez, vas-y, faut que tu jouisses. Ah, je peux t'en plier, moi. Ah, vas-y, mon anus est tout à toi, il est tout ouvert. En plus, moi, je mouille du cul, je muque. Oh, putain, je peux te bouffer le cul. Ah, vas-y, tu vas me faire muquer du cul. Oh, putain, vas-y, dis-moi ton cul, je bouffe ton cul. Oh, tiens, j'écarte bien, prends-le. Je me mets en levrette et tu peux bien te régaler, là. Oh, putain, j'adore ça, putain. Ah, vas-y, bouffe-moi putain, tous les orifices. Oh, putain. Ah, vas-y, bouffe là aussi, tiens, je te l'attends. Ah, putain, j'ai envie de bouffer toute ta mouille, j'avale tout. Ah ouais, vas-y, serre-toi, c'est gratuit, c'est open bar. Oh, putain, t'es une chienne comme ça, putain. Ah ouais, vas-y, j'ai envie que tu m'encules maintenant. Oh, putain, vas-y, amène ton cul, putain, j'ai envie de te prendre sans capote, là. Ah, vas-y, encule-moi. Oh, putain, je te Ah, vas-y, faut que tu craches maintenant dans mon cul. Oh, putain, tu vas me faire jouir. Oh. Putain. Oh, vas-y, j'ai envie que tu fasses du bruit quand tu jouis, vas-y. Oh, oh putain, tu vas me faire jouir. Oh. Oh, putain, je vais jouir. Oh, putain, j'ai du super plein les mains. Ah, lèche-toi les mains. Oh, putain. Mais t'as toujours un doigt dans le cul? Oh, oui. Mets-toi du sperme dans le cul. Oh. Oh.
suis mal outil. Il a craqué sur ça. Il a craqué, il a craqué. Il a un cap dans le cul. C'est bien passé. C'est qui cette taré? Je suis un gros cochon, mais quand même, il y a des limites. Ah, le gars. Ah, mais c'est un gros cochon. Ah, il a craqué le gros cochon. Il est là avec son dos dans le cul. Voilà. Bah, il s'est fait plaisir. Ah, bah, il a bien raison. Il s'est fait plaisir. Il était content. Bon, il s'en capote au téléphone. Ça pose pas de problème. Sinon, faut faire attention. Ah, oui, c'est clair. Sur tes couverts. Ah, oui, sur l'un de ces gens-là, surtout. Je te laisse la photo. Bah, ouais, bah, écoute, je vais la mettre. Quand tu le vois, il fait sérieux et tout. Ah bah là il est beaucoup moins là. Ah, ouais. Voilà, moi j'imagine avec un truc dans le cul là. Je vais bien récupérer la photo pour la mettre dans mon tableau de chasse. Ah, très bien, ouais, bravo Pamela. Un de plus. Et un de plus. Elle a un mur. Voilà, mission accomplie. Exactement. Mission accomplie. Bon, Radio Lead et bras accomplis aussi, hein, on peut le dire. Ouais. Le rendez-vous le prochain, c'est lundi matin pour le morning. On se réveille ensemble. Soyez à la 6h du matin. Ouais, ouais.